Waouh, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce dont nous allons parler ici est inadmissible. Il faut que nous vous en parlions quand même. Et ce sera à vous de nous dire ce que vous en pensez. Nuance Reborn. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Si cette vidéo, c'est tous abonnés, cliquez là-dessus. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, ah, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on est prêt pour détruire la vie de la personne? Non, ça m'étonnerait. Est-ce que quand on dit qu'on est fan d'un artiste ou de quelqu'un, juste qu'on s'abonne même à son compte, est-ce que ça veut dire qu'après on va essayer de lui taper sur le dos? Non. Il y a un truc pareil qui a eu lieu. Et heureusement, ça n'a pas tourné mal. Mais il faut qu'on vous dise ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes prêt à y aller? Let's go. Let's go! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn. Si cette vidéo, tous abonnés comme vous le savez déjà. Et bienvenue. Ce qui suit, c'est une histoire réelle que nous venons de recevoir. Nous avons reçu hier. Voilà, hier, pour être plus précis. Il s'agit tout simplement d'un youtubeur. Un youtubeur très connu, il a plus de 1,2 million d'abonnés. Et ce youtubeur là aime partager sa vie avec ses abonnés parce que pour lui, c'est sa famille, ce sont les gens qui le soutiennent, qui ont fait de lui qu'il est devenu 1 million d'abonnés là. C'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, ça veut dire qu'il voit ses abonnés comme ses parents, comme des gens à qui il a confiance. Mais ceux à qui il a confiance là, ils ne sont pas tous bons. Il y a certains parmi eux qui sont mal intentionnés, qui viennent spécialement pour faire des choses bizarres. Pendant que lui, il se dit qu'il a une famille, il a des gens qui le soutiennent là. Voici ces gens même qui sont censés le soutenir là, qui essaient de taper sur son dos. Vous savez ce qu'ils ont fait? Bon, c'est pas tous, hein, mais c'est un parmi eux, ou bien bon, certains. Ils sont allés, il s'est dit, cet homme-là, l'individu en question, là, son abonné-là, il est allé sur Instagram et il a reproduit de façon typique le compte de ce youtubeur-là. C'est-à-dire le compte Instagram-là. Comment il s'appelle, son nom, tout. Même le haut de page, la photo de profil, tout est pareil. Et ce qui est mauvais, ce qui est méchant, c'est qu'il ne va pas s'arrêter là. Il va chercher maintenant à faire quoi? À pirater son compte YouTube, sa chaîne YouTube. Auprès de qui? Sa copine. La copine à ce jeune, à ce YouTubeur là. Mais c'est mauvais! Hey! Comment l'on peut-il faire ça? Ah! Tu as abonné ou pas? Tu as abonné ou pas? Tu l'aimes ou pas? Hmm? Ah! Mes frères et sœurs, avez-vous déjà entendu de telles histoires quelque part? Assurément. Mais vous avez pensé que c'était de la blague. Franchement, quand on raconte ça à quelqu'un, assurément, il va penser que c'est de la blague. Mais c'est réel. Hey! Comment vous pouvez faire ça? Comment tu peux faire ça? Ah, tu l'aimes, non? Oui, mais tu n'aimes pas. Donc, tu fais semblant de l'aimer. Alors que tu veux l'enfoncer. C'est ça, mais ton but. Tu cherches à l'enfoncer. Tu cherches à le nuire. Et voici qu'il va maintenant chercher à faire quoi? À draguer la copine à ce youtubeur-là. Lui, quand il a eu cette copine-là, où on connaît cette petite amie-là, il est venu la présenter à tous ses abonnés pour dire franchement nous sommes ensemble, après ne vous dites pas qu'on est ensemble, on s'aime et puis je ne vous présente pas, il vous ne dit pas ce qui se passe dans ma vie. Voici, il y a une copine aujourd'hui, voici son nom, voici comment elle se présente, voici son Instagram, vous pouvez vous abonner à son Instagram, la soutenir, la suivre. N'est-ce pas ce que tout le monde fait? Est-ce que c'est mauvais?
Est-ce que c'est mauvais? Voici ce qui va se passer. Ce youtubeur, cet abonné-là, qui a copié son compte Instagram, là, il va aller faire quoi? Se faire passer pour le youtubeur là, en lui envoyant des messages, des messages, des messages, et des messages d'amour, jusqu'à essayer de donner les rendez-vous, tout ça. Heureusement que cette fille-là, c'est une bonne fille. Franchement, ce youtubeur-là, il a une bonne femme. Laisser un like pour sa femme, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est elle-même qui a permis qu'on te voit. J'espère que le vent ne fait pas. J'espère que c'est elle-même qui a permis qu'on te voit aujourd'hui. Ce gars-là, on attrape ce gars. Parce qu'elle a joué le jeu. Elle allait face à face avec son copain pour lui demander, mais qu'est-ce que tu m'avais écrit la dernière fois là? Et c'est là elle va étaler tout ça. Tout ce qu'elle a eu à dire, à lui dire. Jusqu'à ce que cet homme appelle sa copine mon amour, tout ça. Et il cherche maintenant à soutirer des informations sur là où ils font, toutes ces histoires. Et quand ce youtubeur là a découvert ça, vous savez ce qu'il a fait? S'il il ne l'avait pas fait lui aussi, on ne serait pas informé de ces choses. Et on ne serait pas nous aussi sous nos gardes, on ne serait pas prudents. Ah! Voici pourquoi il est important de partager des vraies choses comme ça. C'est pourquoi nous vous demandons également de partager cette vidéo à tout le monde. Pour que tout le monde soit averti. À tous les youtubeurs également. À tout le monde, quelle que soit la société dans laquelle vous travaillez, c'est la même chose. Et elle est venue présenter ce message-là à son copain. Elle lui a dit, ah bébé, voici ce qui se passe sur ton dos. Regarde un homme qui a copié exactement la même chose que toi qui m'envoie des messages. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Il regarde le compte Instagram de cette personne et il regarde lui-même son compte Instagram. Il regarde encore son compte, il regarde son compte. Exactement la même chose. Mais ce n'est pas lui. Hein? Mais comment il a fait? On ne peut pas créer un compte avec le même nom. Mais comment a-t-il fait? C'est pas possible. Ça veut dire que cet homme qui a fait ça là, s'il est mauvais, si c'est un abonné là, ah, cet abonné là est méchant. Ça, il n'appelle pas ça un abonné, il appelle ça un espion. Un sorcier même qui est caché parmi nous. Il se fait passer pour abonner, mais il cherche à nous nuire en fait. Ce sont ces gens de personnes là qui interviennent dans la partie commentaire là, pour attaquer. Pour attaquer les gens. Voici comment ils sont camouflés. Il faut que quelqu'un vous révèle ces choses. Et ce youtubeur là a fait une vidéo là-dessus où il était de lire message par message tout ce que cet homme là lui a écrit, ou encore a écrit à sa femme, ou encore à sa copine. Et il a demandé à tous les youtubeurs de faire vraiment très attention à cela. C'est pourquoi nous aussi nous faisons cette vidéo pour vous dire effectivement, il y a des gens, si vous n'êtes pas encore certifié sur Instagram, il y a des personnes qui disent si vous aimez là, qui peuvent aller copier exactement ce que vous faites et chercher à soutirer des informations à vos proches. Faites attention aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, tous ceux qui sont autour de nous, qui nous font croire qu'ils nous aiment là, en réalité là, ils ne nous aiment pas tous. C'est ce que ça veut dire. Ou bien, mes frères et sœurs, dites-nous, vous-même, toi-même qui regardes la vidéo là, abonne-toi même déjà sur cette vidéo, like. Mais là, dis-nous dans la partie commentaire, qu'en penses-tu? À la place de ce jeune-là, que ferais-tu? Si tu penses que tu avertirais tout le monde, partage cette vidéo. Et ce youtubeur-là a même demandé à tous ses fans de l'aider à signaler ce compte Instagram là, à le signaler. De sorte qu'on puisse régler ce problème là. Parce que là, ça devient grave. Ah! Ah! Tu m'aimes jusqu'à aller chercher ma femme? Quelle histoire!